Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure et ça c'est plutôt incroyable. Comme d'habitude, premier réflexe, mettez cette vidéo en 2K, 60 FPS, évidemment là vous n'aurez pas trop le choix, plongez-vous si possible dans le noir, prenez un petit truc à boire, à manger, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Et surtout, lâchez un petit pouce bleu et détendez-vous parce que croyez-moi qu'on est parti pour une toute nouvelle aventure. Vous le voyez sous vos yeux, Days Gone. Ça y est, il est sorti, une exclusivité PlayStation 4, un open world à base de morts-vivants, de méchants, aussi de gentils, hein, évidemment. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pas vous cacher que j'ai quand même vraiment hâte de poser mes mains sur ce jeu. Je tiens à remercier Sony pour m'avoir envoyé le jeu en avance, qui m'a permis de me préparer. Non, pas du tout. En fait, sur le coup, je suis rentré du Japon il y a une semaine et demie et je suis tombé malade. C'est incroyable, j'ai encore le nez bouché d'ailleurs. Donnez-moi de la sophore, les gars, donnez-moi de la sophore. Et rien de mieux pour marquer l'été qu'un bon survival horror. Bienvenue dans une nouvelle aventure horrifique. Bienvenue dans Days Gone. Et j'ai hâte, vraiment, de voir ce que ça va donner. Parce qu'à ce qui paraît, les gars, le jeu est plutôt magnifique. On est parti. Nouvelle partie. Normal, évidemment, évidemment, nous sommes sur PlayStation 4 Pro, donc prenez vos aises, et je crois qu'il y a un truc comme 14, 10 ou 14 heures de cinématique, donc je peux vous le dire que les gars, à côté Avengers, hein. Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un grand couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Ah, ok, viens. Merde. Encore une fois. Où le filet avant qu'ils arrivent? Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Et je m'en occupe. Aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires. Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Brian. Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux! Quoi? Vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout! Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Bowser, on y va, voilà, t'embarques. Faut qu'on monte dans le grand Ulga. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftfinger Jack, à l'ouest. Bowser s'en sortira pas si je pars avec vous. Isabelle, revient. Aïe! Vous venez? Pas cette blague de pauvre! Non! Pas en cas d'apocalypse! On décolle! Non. Elle s'appelle Revient.
Ça, je sens que ça va marquer tout le long de l'aventure. Elle a intérêt à revenir. Elle a intérêt à revenir parce que j'ai sorti ma plus belle blague, évidemment. Par contre, j'ai oublié de mettre les sous-titres pour cette première cinématique. J'en suis désolé, je vais le faire de ce pas pour être sûr de ne rien louper. Si jamais vous avez un petit moment d'inattention ou que vous ne pouvez pas spécialement mettre le son. Donc, ne vous inquiétez pas, ça, ça va s'arranger. Alors, on est donc parti, on ne joue pas dans cette temporalité-là, en tout cas, je crois. On ne joue pas dans la ville dans laquelle on était. Donc, on va voir un petit peu comment on va s'en sortir. Voilà, 2 ans plus tard, c'est bien ce que je disais. On va voir un petit peu... Oh, bah putain, on est bien. On en a parcouru du chemin, les gars. On en a parcouru. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai surtout hâte de découvrir cette carte. Un open world avec autant de zombies affichés à l'écran. Je me demande... La taille de la map, tout ce qui nous attend, comment ils ont fait pour ne pas rendre les choses répétitives. Je pense que ça peut être très intéressant. Il nous a semé, il doit pas être loin. Attends, coupe ton moteur. Oh, il est tellement plus stylé que la barbe. Tellement plus stylé. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers? C'était... Léon. Ok, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ok, bougez pas. C'est un acte de répétition que je fais là. Affichage audio. Audio, non, c'est pas dans audio de toute évidence. Langue, sous-titres. Ben oui, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. J'ai pas eu le temps de voir R2 accélérer. Très bien. La moto est lourde, mais c'est normal. C'est une moto de type lourde. Donc rien d'étonnant là-dessus. Mais ça se manie. Pour l'instant, on peut ni aller à gauche ni à droite, je suppose. Il faut rattraper ce délinquant, n'est-ce pas? Et pour le moment, nous sommes en mouvement. Bah, le jeu est beau. Le jeu est relativement beau. Le jeu est très beau. Ça manque d'effet de vitesse, on va pas se mentir, sur la moto. Parce que moi, je peux vous dire qu'avec une moto comme ça, les gars... Ah, bah, je fais du 0 à 200 avec un bicarbu, les gars. Hein. Je fais du 0 à 200, un petit coup d'embrayage. Bon, c'est vrai que ça décolle très vite. Hein. Waouh! On a déjà fait mourir. Hein. C'est terrible. Alors, c'est original par contre, hop, moi je passe par le feu, le jeu est vraiment bon. C'est assez original de commencer par une course-poursuite. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas le cœur même du jeu, évidemment, hein, c'est pas un jeu de moto de base. Et commencer par une course-poursuite en moto, je trouve ça cool quand même, je trouve ça relativement cool. On va voir ce que ça donne, je suis sûr qu'il y en a déjà qui se sont cassés la gueule. Je vais peut-être pas l'ouvrir trop longtemps parce qu'on n'a pas fini cette course-poursuite. Ah, cascade! Eh les gars, et moi il n'y a pas de doublure, hein, cascade, hein. Vous me connaissez maintenant. Hein. Ok, non. Oh! C'était prévu ça qui percute une biche! Ça? Hein? Espèce de fils de pute! Il est rapide. Ouais, salope! Oh, attends. Il a laissé sa moto. Ok, on va passer en phase à pied. Ah, dommage de temps de chargement par contre. Un petit peu dommage. J'espère qu'il n'y a pas des temps de chargement qui viennent briser un petit peu l'action. Ah, c'est une cinématique. Bon, on peut excuser. Couvre-moi. Je te suis, mec. Il est parti par là. Allez. Ok, on passe enfin en phase à pied. On va voir un petit peu ce que ça veut dire, une mort rapide, pistage. Appuyez sur R3 pour activer le mode survie et découvrir des indices et des informations sur votre environnement. Très bien. Forcément. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien ici, par ces saloperies de mutants. Okay. Je suis peut-être planté. Donc Ron, c'est pour ça qu'on pille. Il a peut-être pas de deal avec Copland. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copland. Ça finit par le rattraper. Ok, donc là, c'est un gang adverse.
Hey, attends. Indice. En mode survie, votre manette sans fil du Halshock vibrera quand la caméra fera face à un indice. Les vibrations seront plus ou moins fortes en fonction de la proximité de cet indice. Évidemment, on a déjà la carte qui s'affiche en bas à droite. Merde. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Okay. Une fois ouvert, on va se regarder pour la fin de l'épisode. J'adore attends, les suspens. Là. Oh. C'est par là. On a une reconstitution. Les traces sont fraîches. Ok. On a carrément une reconstitution. C'est bon ça. C'est en bon fait, ça. Ils vont nous emmener. T'as appris à pister comme ça. J'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. Pister des bêtes sur des kilomètres. Ok. J'ai un gun, j'ai toujours pas d'arme. Fort dommage. Je pense que je vais me battre au corps à corps. Ok, on a un petit camp là. On a quelque chose. Ouais, j'appuie toujours sur le... Aïe, wesh. À couvert. Ok, bon, on est parti. Frangin. Ouais. C'est juste une égratignure. Ce fils de pute vise comme un pied. Une égratignure, merde. T'as pris une balle dans le bras, frérot. T'es sûrement pris par là, vers la cascade. T'as pris une balle dans le bras. Il pisse le sang. Il ira pas loin, allez, viens. Ouais, non, bah là, il pisse totalement le sang. Il a carrément tartiné la poutre. Ok. Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever, c'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a trouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs, Léon? Si tu te mets à table, moi au moins je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps, Léon. Je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez. D'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. T'avais dit que... Vas-y. Ne laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré de menteur! Allez. Doug voudra une preuve pour la prime. Ok, c'est fait, c'est cru. Perso, on apprécie. Pas question de laisser quelqu'un en butant. Même un enfoiré comme Léon. Bon, direction 200 mètres, évidemment. Là où on avait laissé notre moto. On est reparti, vas-y, hein, cours mon frérot. Hésite pas. Là, on sent que, par contre, et ça n'a rien à voir avec le jeu... Hé, hey, minute. Oh. Je veux fouiller ce camp, au cas où il y aurait quoi me rafistoler. Ça peut devenir très intéressant, là. Ça peut devenir très très intéressant. Oh, du médic, ça je crois. Ok. Pas encore comment les utiliser pour le moment. Donc, un stérilisant, on a quoi, là? On a du papier. Un chiffon. Oh, mode de survie, ok. Orienté pour la médecine. C'est où, mon frère? C'est là. Très bien. Maintenant pour fabriquer. Reste à combiner les deux. D'accord, donc il va falloir fabriquer. Très bien. Pour vous soigner à partir du menu de survie, sélectionnez le bandage et maintenez R2. On va le faire. Voilà, comme ça, ça devrait le faire. Ah, c'est stylé. C'est pas aujourd'hui que je perdrai mon bras, on dirait. C'est stylé parce que ça a soigné la blessure que j'avais sur le cou. Alors, si tout le jeu, les blessures, on les voit sur notre corps et on peut les soigner, c'est réellement stylé. En tout cas, j'apprécie, je tiens à vous le dire. Donc, je vous disais, ça se voit qu'on approche un petit peu de la fin. De la fin d'une ère, hein, de la fin de la PlayStation 4 et de la Xbox One, parce que bah, ça commence à se faire vieux, mine de rien tout ça, et on voit un petit peu les décors se construire, on voit encore des temps de chargement, vous quittez la zone, ça c'est pas bien, on voit que c'est encore... Par contre c'est très fluide, hein, et le gameplay, comment vous expliquer? Le gameplay n'est pas lourd, c'est-à-dire que il est plutôt...
il est plutôt bon à prendre en main. La plupart des beaux jeux ont un gameplay lourd. Et là, c'est pas le cas, voilà, très honnêtement. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même en fin d'une génération. Vivement la suite. Vivement la suite, ça devrait pas tarder. Hein. Je pense que 2020, c'est clairement la bonne année pour la PlayStation 5 et la future Xbox. Donc, hâte de voir à quoi ça va ressembler, surtout ce que ça va donner. Mais regardez ce qu'on arrive à faire en fin de vie. Ça me rappelle un peu vraiment The Last of Us 1 à l'époque de la PlayStation 3. On avait pris une claque. C'était quasi le dernier jeu qui sublimait la PS3 avant le changement de génération. Et on n'a pas été déçus. Là, c'est pas fini. Hein. Il reste The Last of Us 2 et Death Stranding et d'autres encore. C'est arrivé d'essence ou tu t'es pissé dessus? Mais pompe à carburant, Léon. Ouais, il m'a flingué ma pompe en flûre. Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on a qu'à retourner au Mont Oliri. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Ok. 33% hey, à la recherche de Léon. Quoi, Léon. Scénario mise à jour, c'est pas mal ça, l'avancée du scénario. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté. J'ai vraiment envie d'afficher la map, les gars. Ouais. J'ai vraiment envie d'afficher la map. Je suis encore un petit peu bluffé. Je vais être honnête avec vous, je suis encore un peu bluffé. On récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Tu penses que c'est je suis pas l'américain, je suis franc avec vous. Hein. Je vois pas Days Gone comme une très grosse aventure. Je vois surtout le petit truc qui va nous amener jusque l'été tranquillement, vous et moi, où on va apprécier, on va passer des bons moments, va y avoir des scènes épiques et tout. Mais je vois pas ça comme The Last of Us 2, tu vois ce que je veux dire. Mais là, très honnêtement, attends, assez bluffé de la qualité pour le moment du jeu. On est au qu'au début, on n'a rien vu. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Ouais. Alors, véhicule à pousser. Certains véhicules peuvent être déplacés pour dégager ou obstruer une voie. Maintenez carré pour les pousser. Très bien. Mais bon, on y va, mon pote. Allez, go. Pousse. En plus, c'est un sacré véhicule. Hein. Ils peuvent pas prendre ça, putain. Plutôt qu'une moto. Parce qu'avec ça, je me régale, mon pote. Hein. Je me demande si on va pouvoir conduire autre chose qu'une moto. Je pense pas. Aïe! Mais je prends des patates gratuites! Ok. Ok. C'est bon, j'ai pris ma part. Voilà. Bon. Appuyez sur R2 pour réaliser une attaque de mêlée. Hop. Oh bah d'accord. Ah bah oui. C'est pas mal. C'est efficace. Pour changer de cible, maintenez L dans la direction d'un ennemi et appuyez sur L2. Ah oui, il a carrément cut. Ah mon dieu. Ok. D'accord, donc ça c'est pour les roulades. Très bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh bah oui. C'est de l'acharnement, ça, monsieur. Très bien. Ok, les roulades, c'est assimilé. Pas de soucis. On y est presque. On file vers le nord. Très bien, on y va. Je te suis, mon pote. On peut pas les fouiller, par contre. Ah, oh, c'est dommage, ils avaient peut-être des trucs sur eux. C'est raclure. Bon, le sang, il rigole zéro, hein. Il est bien rouge, hein. Hâte de voir des zombies. Attends, on a toujours pas vu de mort-vivant, les gars. Hâte de voir ce que ça va donner, un peu, tout ça. Bon, évidemment, si on va chercher la moindre petite bête, il y a aussi des défauts hein, à la qualité du jeu et ça se voit directement, c'est-à-dire des petits temps de chargement un petit peu trop souvent. L'approche du vieux checkpoint du Néron. Les corps, il n'y a pas de ragdoll. Une fois mort, on passe littéralement au travers. Mais que voulez-vous, on connaît rien du jeu encore. Et quand on a vu que ça peut afficher plus de je ne sais combien de centaines de morts vivants en même temps qui courent vers nous et tout. Mais merde, qu'est-ce qu'on fout là? Je me dis qu'on peut pardonner certaines choses. File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. Parce que les gars, je peux vous le dire, que imaginez un ragdoll, un corps
encore bougeable physiquement au sol et sans mort-vivant programmé qui marche dessus et qui bouge le corps, ouais. Non, c'est impossible. C'est impossible à faire. Regardez, quelle bande d'abrutis tout ça. Ok. On dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la Horde vienne les bouffer. Ah putain, c'est moche de partir comme ça. Oh, c'est frais ça. Ce genre. Ok, un chiffon. On va pouvoir faire une chiffonnade. Ça c'est bon ça. Ok, on va faire celui-ci. Il y a peut-être, je sais pas, les morts vivants sont peut-être un petit peu plus attirés par le noir pour la tranquillité. Ah bah tout le monde a le droit de se reposer dans la vie les gars. Ok, le devant on peut rien faire. On va fouiller celui-ci. Non, celui-ci a déjà été ouvert je crois. On peut pas le faire malheureusement. Très bien. J'ai 10 cartouches, hein. Ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Je m'aventure peut-être dans une terrible histoire. Ah, on a notre jauge de son en bas à droite à côté de la map. Oh, c'est beau. Oh, c'est très beau jeu de ma part. Très très bien ça. Ok. Ah, ça éclaire un peu plus. Ça c'est cool aussi. Très bien, on y va. Hop. Je regardais si la roue des menus n'avait pas changé. Tu sens ça? Oh putain. Ouais bon. Allez viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé, on dirait. Ok. Premier mort vivant. Il est mort. Deuxième. Il est mort. Ça va, ils étaient cool. Hey, Dick. Mec. Je crois qu'il est mort. Et plutôt deux fois qu'une. Tu vas me péter mon fusil. Cette blague était drôle. Voilà, je me suis fait rire, les gars. C'était un bon jeu de mots. Pour ceux qui l'auront compris, ok. On juge pas, par contre, on met des likes. Putain, tu vas y retourner, hein. Oh, que je suis con. De quoi tu parles? Ok, on reload. Putain de camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Pas responsable de sa mort. Ah merde, elle est morte. Oh. Saleté. Ok. Wesh! Ok. J'en ai besoin. Ok. Ça veut dire quoi ça? Il y a une carte de pique. Okay, ça représente quoi? Ok, bon, on a un klaxon. Ah, d'accord, donc on peut bien ouvrir devant. Sûrement pour arrêter le klaxon. Allez, tu te tais. What? Faut faire tout ça? Ok, j'ai gagné plus un ferraille. Pourquoi il y a une carte de pique? Je crois que c'est pour être sûr qu'il soit bien mort, je sais pas. Bon, on passera pas par là. Ok, pour l'instant, les gars, il n'y en avait que 3. Dites-vous qu'il y en aura des centaines à l'écran, vraiment. Ça marche! Braque ton phare par là-bas! Vas-y, ouais, ferme-moi, frérot. Ok. C'était pas la bonne direction. Peut-être pour ça aussi. Oh, une voiture de flic. Il y a forcément quelque chose de très très cool. Comme des munitions, par exemple, n'est-ce pas? Bah voilà mon gars, putain! Je suis monstrueux! Ok, comment on change d'un... Oh damn Daniel! J'ai fait une bêtise, hein, j'ai appuyé sur des touches. Oh mais j'ai une lampe torche! Mais prévenez! Ok. Je me faisais chier depuis tout à l'heure! D'accord. Ah! Ok. Voilà. Le syndrome de la lampe torche qui éclaire là où tu regardes et non là où le personnage est orienté. Ce n'est pas un bug. Ça veut dire que même de dos, regardez, voilà, hein, on peut éclairer sur le côté. Je suppose que c'est pour rendre le gameplay un peu moins relou. Rendre les choses en général un peu moins relou. Ok. Ah bah on va pouvoir pousser ça. C'est parti. On est toujours pas arrivé au bout du tunnel, les gars. Ah, j'ai vu quelque chose derrière qui clignote, non? Je commence à être fou. Oh mais merde. Non, putain de merde, sa mère l'hypopète. Quoi? J'ai pas fait exprès. Ok. Je m'en occupe. Il met pas, hein, en tout cas, l'autre, hein.
Je sais bien que ça fait 2 ans qu'on survit comme des bâtards dehors. Mais faut m'aider, quoi, les gars. Ok. Allez, hop, ça fait un peu de ferraille. C'est bon, on a compris. Oh, le poubelle homme. Ah, ils se protègent de la lumière. Ou des potentiels tirs. Donc ils ont potentiellement un signe d'intelligence. Mes couilles, ouais. Ok, ça c'est fait. On a quelque chose par là. On peut pas ouvrir malheureusement. Il peut venir le bro? Allez, ouais, il peut venir, c'est bon, on y va. C'est bon, on voit enfin le bout du tunnel, les gars. Direction la lumière. En temps normal, on va jamais vers la lumière, mais là... Oh ouais, ils ont des nids. Il te reste combien de molotov? Tu viens d'utiliser le dernier. Et il te reste de quoi en faire? Ouais, ouais. Ok. Alors, il est temps de craft un molotov pour la première fois. Catégorie pièce. Non, attends. Le couteau. Mais non, c'est derrière. Voilà, je suis débile. Là, on va le crafter pour la première fois, par contre. Ok, merci, mon bro. Alors, maintenant, hop, la catégorie jetable. Donc, je suppose que c'est la pierre. Non, ça, c'est une distraction. Catégorie jetable, c'est bon. On l'a, un molotov. Ça fera l'affaire. Très bien. Bon, pour l'instant, je suis un petit peu perdu. J'ai plus l'habitude de jouer sur console. Vas-y, sors, ma gueule. Quoi ? Voilà, suivant. Suivant. Ok. Ouais, ouais, j'arrive. On y va, on rejoint le poteau. Je pense sincèrement que le jeu à certains endroits. Réfléchis à ce que t'as dit. Risque d'être de partir bien vers compliqué. Le nord. Moi, ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait les idées. Un matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça me plaît. Oh, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Bienvenue à la foire aux monstres. Merde. Ça grouille de partout. Elle sera pas bonne. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous dans la forêt! Ok, bon! On va voir ce que ça va donner, son plan. Ça devrait le faire, devrait plus y avoir grand monde très rapidement. Mais quand même, c'est vrai que le plan est pas méga ouf. 4%, je me souviens. Allez, fichez-moi le camp, saloperie. 17% virée imminente, ok. Il y a beaucoup de scénarios en cours, hein. Donc ça veut dire qu'on pourra terminer un scénario ou choisir d'en terminer un autre. Donc comment je suis censé faire là? Les buissons vous permettent de vous cacher. Si vous n'avez pas été repéré, restez accroupi et utilisez des cailloux pour créer une diversion. Ok. Je peux pas. Ah, voilà, réaliser une attaque furtive. Merci. Okay, ils répondent très vite aux questions par ici. Ok. On va aller doucement. Je sais pas si c'est par le son ou par la vue. 9% du temps. Oh, c'est bon ça. Ça peut être intéressant. Okay, on va passer par ici. On va aller doucement. Hop. Eh les gars, un petit rouleau de PQ, moi je prends. Hein. Ça, c'est pas du bandage, je vous le dis. Hein. Le jeu est vraiment plaisant. Hein. Oh. Oh, coup de patte de baseball. Oh, ça me rappelle The Last of Us. Oh, le bonheur. Il y a 2-3 petits trucs qui rappellent The Last of Us quand même, ça fait plaisir. Ok, bondage. On va partir ici. On
peux re-rentrer par ici. J'ai pas envie de mourir. Oh, une plante. Je rappelle que la drogue c'est mal, mais c'est de la camomille. Ok. Très bien. Putain, par contre, même accroupi, on va très vite, c'est agréable. Il faut faire attention. Ça peut nous jouer des tours. Nick, très bien. Comment ça avance, frangin? T'es prêt? Ok, oh, on y est. Je trouve comment accéder au garage. Il y aura sûrement une pompe à carburant. Bon bah grouille-toi. Je viens de passer un de ces... Comment t'appelles ça déjà? Les trucs que les Reapers accrochent. Des totems. Alors, silencieux, atteignez le bruit de vos armes en leur ajoutant un silencieux. Sélectionnez une arme compatible dans le menu de survie. Appuyez sur R1 pour monter le silencieux. Hey, c'est bon ça. On va dire qu'ils sont dans les parages. Attaché. Ah, ok. Ok. Donc là, je suis en mode silencieux. J'ai mis quoi? Ok. Morceau de bois, c'est fait. Essence, c'est fait. Ah bah non, j'ai une batte de baseball. Ok. Encore de l'essence. C'est fait. Très très bien. Et ça, un petit chiffon pour une belle chiffonnade. Encore de l'essence. Moi, je prends tout, les gars. Très bien. Je fais quoi avec un jerrycan, les gars? J'ai pas l'air d'un con, moi. On va peut-être passer par ici. Hop. Voilà, on l'ouvre avec le jerrycan dans la main. Ah bah on perd pas de temps. Là vu les tonneaux explos. Oh là là, ça va partir en tout, ça je vous dis. Merde, condamné. Il faut que je trouve un autre accès. Il y a peut-être un passage par le toit. Wesh! Elle fait quoi elle? Mais c'est quoi? Ça t'a plu? C'est une meuf, c'est un enfant, ouais, c'est quoi ce bordel? C'est ça. Wesh! Mais y'a des gnomes qui m'attaquent! Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Ok, c'est l'accès au garage. Mais c'est des enfants! Faut que je les arrache, hein. C'est des enfants ou des personnes de petite taille? J'en ai aucune fichue idée pour le moment. On va envoyer une équipe d'inspection. Ok, on a peut-être des choses intéressantes. On va tout fouiller tout de même. Des balles, les gars. Ça, c'est très intéressant, ça. Très bien. On a quoi, là? Tourisme, objet rare. D'accord. Il n'y a pas des petits trucs là-haut, là, cachés, là? Ah, ça serait dommage. Mais regardez. Mais bien sûr. Eh, des bandages, je prends. Même si pour moi c'est des rouleaux de PQ quand même, mais bon. Oh, regardez les gars, de l'essence. Eh hey Johnny, c'est pour toi, on va allumer le feu, mon pote. Très bien, on peut y aller. Il doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part. Ouais, t'énerve pas, on va trouver ça, mon pote. Ça, je connais bien ça. C'est une Range Rover de 1865. Il y a forcément un carbu là-dedans. Ok. Allez hop, jackpot. Non, même pas. Oh! Que vois-je? Mais oui, mon pote. Elle est là, elle nous attendait! Boozer, t'es là? J'ai trouvé Boozer. La pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Nick! T'es Reaper! T'es Reaper! Attends, Boozer, hein. Je suis comme Mario, je suis dans le tuyau là. Merde. On y va. Hop. Oh, j'ai essayé d'y aller. Des Reapers, ok. Boozer. Reaper, arrête de ripper, hein. Ousmane! Non, c'est pas vrai. Heal. Oh, y'a ce qu'il faut là. J'ai 4 heals, les gars. Ça me paraît. Sexy raffiné, tout ça. On part par où par contre là? Et ben voilà, par ici. Hop, oh les gars. Tiens bon, Ousmane, j'arrive. Voilà. Comment, je sais toujours pas comment on change d'arme et ça c'est terrible. Ah, merde. Si, je sais. Triangle. Des Reapers. What? C'est des humains? Ces tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort. Les symboles des égarés. Lâchez-moi! Pas ta fils de pute! Hé, Motard! Tu dois être déchu, Motard! Car tu es égaré et nous avons été trompés! Ah,
à toi. On va te montrer. Toi, ça va être trouvé. Voilà. Renonce. 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 Ok, couverture, mettez-vous à couvert. Avec la touche rond, évidemment, pour vous baisser très bien. Des Reapers, bordel de merde. Épaule. Oh, d'accord. Okay. Ok, j'ai compris. C'est là que je devais me mettre à couvert, je suppose. Hey, par ici ! Bande d'enfoirés, lâchez-le ! Mec, c'est hyper résistant. Il ne traîne pas les balles. Ça suffit. Putain, mon pompe, il est en caoutchouc. Ok. C'est... Hey, c'est incroyable. Allez, j'ai une couverture. Merde, presque à court. Faudrait voir. Allez, ferme-la. Ça va, mon bro? Désolé. Ça arrive pas max par ici, ça roule le jour, ça arrive pas night. Oh, mon pistolet silencieux est ridicule. C'est pas vrai. On va peut-être lui prendre, d'ailleurs. Attends, je t'aide. Non, c'est bon. Arrête, fais pas. Ouais, allez, debout. Foiré de Reaper. Faut pas qu'on traîne. Ah! Aurélie. Je m'attendais, je sais pas, putain. Ils sont tombés dessus, j'ai rien compris. Ok. T'as vu mon bras? Regarde pas. Putain, mon bras. Je suis sérieux, regarde pas. Le regarde pas, je te dis, allez, monte. Ah, la vache. Maintenez flèche de gauche pour vous soigner. Voilà une bien belle astuce que je n'hésiterai pas à utiliser. Évidemment, simple égratignure. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt. À demain pour l'épisode 2. J'espère quand même que cet épisode vous a plu. Bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Putain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça a pas bougé depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand-chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, laisse pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé hey, j'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé hey, laisse mon fusil à pompe. Hé, hey, Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens à poil sans lui.